Aujourd'hui, au détour d'un heureux hasard dans notre salle de test pour télévision LCD ultramoderne, on s'est tout d'un coup rendu compte que la cassette VHS, c'était vraiment trop bien. C'est d'abord une question de design. Regardez-moi cette cassette des années 80, un design bien viril, bien solide, qui inspire confiance en termes de solidité et de durabilité. Comparé à cette galette minuscule qui se tord très facilement, c'est absolument ridicule. Un design qu'on retrouve aussi sur le magnétoscope, un bon vieux magnétoscope des années 80 qui nous rappelle toujours notre virilité d'antan. Sans compter cette innovation technologique de taille qui, bien avant le lecteur DVD slot-in de la Xbox One ici, on avait le même principe, le slot-in de la cassette qui rentre toute seule. C'était mieux aussi pour les cinéphiles, puisque aujourd'hui ces derniers naviguent de chapitre en chapitre sur les Blu-ray et du coup ne voient pas le film, alors qu'ici, il suffit juste de faire une petite avance rapide et on peut regarder tout le film se dérouler à grande vitesse. Ça va aussi résoudre tous vos problèmes de choix de télévision. Ici, cette Sony S90 à 4 000 €, avec le moteur de retraitement d'image ou sans, c'est pareil, c'est la même image. Aucune amélioration à noter, donc vous pouvez tout simplement abandonner le choix d'acheter une nouvelle télé et garder votre ancienne télé. Alors certes, on vous l'accorde, la qualité d'image est très légèrement inférieure à celle du Blu-ray. On voit quelques petits problèmes de désentrelacement, quelques aplats qui sont plus tout à fait corrects. Cela dit, ça permettra aux téléspectateurs d'apprécier le film en lui-même et non pas l'image, le fond avant la forme, s'il vous plaît. Bref, alors que le vintage revient très à la mode en ce moment, on ne peut que vous conseiller l'achat d'un magnifique magnétoscope, par exemple pour vos beaux-parents à Noël. Qui c'est qui a encore oublié de rembobiner la cassette ?